Je veux tout terminer. Il est 15h donc. On n'a pas beaucoup de temps. Je l'avais oublié. Comment je peux oublier un meuble? Arrête. Ne dis pas ça, Jérémy. Non, 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 non. Est-ce qu'on mettrait pas le bureau comme ça? Et là, on va tester. Comme ça, on est deux. On peut voir. Oh mon dieu, c'est trop lourd. Mais attends, tu fais quoi là? J'enlève deux, trois trucs. Les trucs genre moches. Pas moche ça. Mais il est malade lui. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, faut que je vous explique. En gros, aujourd'hui, normalement, il aurait dû y avoir une giga vidéo. J'avais un tournage de prévu qui a été reporté. Donc vous inquiétez pas, ça sortira dans quelques temps. Mais du coup, je me suis retrouvée sans vidéo, sans rien. C'était pas prévu. J'avoue, j'ai rarement des plans B. Du coup, je vous ai demandé sur Insta ce que vous voulez que je fasse. Et tout le monde m'a dit épisode 3 de Je décore mon appartement. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir rajouter un petit peu dans cet appartement. Je vais aller faire les magasins cette fois-ci et voir ce que je peux acheter un peu pour décorer, etc. Ça me fera pas de mal. D'ailleurs, je sais pas encore si on est 400 000 actuellement quand cette vidéo sort, mais je vous prépare un truc de malade. Faut que j'arrête d'en dire trop, vous allez peut-être être déçus, mais non, pour moi c'est un truc de malade. En tout cas, je vais vous faire gagner un truc trop cool. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et du coup à vous abonner à la chaîne, comme ça on y arrive vite. J'ai trop hâte que vous puissiez voir, genre vraiment j'ai trop hâte. D'ailleurs, en ce moment, je suis dans un mood, j'ai envie de faire des vidéos chill parce que je prépare des vidéos de malade pour le mois prochain, enfin des vidéos qui sont beaucoup plus grosses. Je peux pas vous en dire plus, mais ça va être incroyable. Ce que je vous propose, parce qu'il est 16h encore, je sais pas pourquoi. Je commence toujours mes vidéos à 16h, c'est une manie. Je suis trop fatiguée, vous savez qu'en ce moment, genre je n'arrive pas à me réveiller de mes réveils. Bien sûr je le fais parce que il faut se réveiller, il faut travailler. Mais à chaque fois que je mets mon réveil, j'en mets 450, sinon je me réveille pas. Pourtant je me couche tôt, genre je suis comme un bébé qui a besoin de dormir. Vous savez que depuis la dernière vidéo, depuis que j'ai installé le miroir ici, les 2-3 petits trucs, je me sens tellement bien dans l'appartement. Genre c'est incroyable, je sais pas comment vous expliquer. En fait, je me suis toujours sentie hyper bien dans l'appart, mais là j'ai l'impression qu'il est fini. Genre que, vous voyez, le couloir avec le miroir, il a l'air beaucoup plus grand. J'ai l'impression d'avoir, vous voyez, genre j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui viennent chez moi. J'ai pas d'avis, donc voilà. Mais j'ai quand même envie. Restez sur la vidéo, promis, ça va être intéressant bientôt. Je pense qu'on va aller acheter genre des trucs pour la bibliothèque. Oh, attendez, il faut que je montre. Ah, ça me brûle. J'ai négocié un peu avec Jérémy, du coup. Il m'a prêté tous ses Weebricks. Regardez, on a fait un étage de plus. J'aime beaucoup. Donc je pense qu'il faut acheter 2-3 petits trucs pour combler un peu les trous. Ça peut être cool. Est-ce que vous voulez vraiment que je me tape la honte de ma vie? Est-ce que vous voulez que je vous montre l'état de mon dressing actuellement? Vous allez péter les mots. Je sais même pas s'il a déjà été dans cet état-là. Un état effrayant. Genre, j'ai la phobie de cette pièce. Et j'ai extrêmement honte. Mais en fait, non, mais j'allais dire, on peut le ranger un peu, mais pas du tout, non. J'ai envie d'aller faire le magasin. Enfin, on se calme. Vraiment, là, je peux plus dépenser d'argent. C'est terminé, surtout si je fais les vidéos prévues le mois prochain. Je ne peux plus dépenser un centime, sinon, je suis à la rue. C'est très grave. Moi, je suis très chanceuse, attention, parce que j'ai toujours peur que les trucs soient sortis de leur contexte. Vous le savez, mais non, je veux pas me justifier parce que vous me connaissez. Vous savez très bien que j'ai un peu ça pour rire, mais que je suis très reconnaissante. Mais vous le savez aussi que les vidéos, ça coûte grave cher. Et que vraiment, avec tout l'argent que j'ai mis dans les meubles de cet appartement, là je peux plus dépenser un centime. Donc on va acheter des petites choses. Je sais pas où du coup, mais on va tenter. Qu'est-ce que j'ai dit que j'arrêtais de dépenser de l'argent? Et on est au BHV, c'est pas le bon, c'est pas la bonne boutique, j'avais mis, c'est une mauvaise idée. J'aime trop ces lampes. Oula. Mais ça va pas. Le prix de la lampe? Ouais, mais ils ont pris 715 euros. Je te jure. 1700 euros, non mais c'est des malades. Mais ça va pas, tu te fais cambrioler juste pour sa lampe. Vous savez, un truc que j'ai jamais acheté, c'est des coussins pour mon canapé. En vrai, j'aimerais trop, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'acheter ça ici. Je pense que c'est cher pour rien. Mais genre, quelques coussins avec des housses de coussins, ça serait incroyable. Comme ça peut être bien, hein. Enfin, blanc comme ça, c'est pas terrible, on va les tâcher. Il faut qu'on mange dans le canapé. Ouais, non, c'est trop moche. Oh, c'est trop dur, je suis trop nulle pour ça. La vaisselle comme ça, c'est tellement incroyable. Mais mon dieu, mais faut arrêter là, stop. Tu sais combien c'est l'assiette? L'unité? L'unité, 45 euros. Wow. Faut vivre seul quoi. Ouais, faut une assiette. Les bols, ils donnent trop envie. C'est ouf. J'ai repéré des verres parce qu'en fait, les miens, je les ai achetés il y a pas longtemps, mais ils se cassent, mais de ouf. Enfin, il y en a plein qui sont cassés et en vrai, ils sont grave abîmés. J'hésite à prendre ça. Ils sont grave beaux, genre ils sont tout simples, mais je sais pas, j'aime bien la forme. J'ai aussi besoin de couverts, parce qu'en gros j'ai des couverts Monoprix. Pour le coup, ça fait genre 3 ans que je les ai et ils sont dorés et je trouve ça trop beau. Mais le seul problème, c'est que maintenant ils ont genre une vieille couleur, genre ils sont vraiment pourris. Donc j'hésite à en reprendre, mais là je comprends rien. Il y a que ceux-là qui sont beaux, mais je les vois pas. Il y en a
m'a plu. Bon, je pense qu'on va partir. J'ai fait mon repérage de verres, on va les comparer ailleurs, voir s'il n'y a pas mieux. Et sinon, je les achèterai, franchement, je les adore, je suis trop contente. J'achète jamais de vaisselle, enfin, j'en ai acheté quand j'ai emménagé, mais vraiment, c'est horrible la vaisselle. Je sais pas si c'est moi, ou en fait, je pense que j'ai acheté des trucs pas chers, mais tout se casse trop facilement. C'est terrible, j'ai l'impression d'acheter dans le vent. On est chez Zara Home, je vais jamais chez Zara, mais je sais pas, on va voir s'il y a des trucs. Tous ces petits trucs là, je sais pas ce que c'est, mais ça me donne trop envie d'acheter. Je vais pas le faire, mais vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Poubelle, on dit. Une poubelle. Regardez. J'avoue, j'ai pas de poubelle chez moi. J'accroche des sacs poubelles sous mon évier. Elle est sinon, ouais. Elle rentrera pas, je pense. Ça, je peux pas avoir une poubelle ailleurs que cachée. De la place dans ta cuisine pour. Non, mais oui, mais j'aime trop quand c'est caché les trucs de ce genre. Est-ce qu'il y a des meilleurs verres ou pas? Non. Ouais, c'est pas mal. Pas mieux que l'autre? Non. Non, franchement, je trouve que mes verres, ils étaient bien. J'ai envie d'un pain de Star Martini là. Bon, du coup, j'ai décidé de prendre mes verres. Tu valides ou pas? Ouais. Je pense qu'ils sont bien. Et avec mon matcha là, glacé, en plus il commence à faire chaud, je vais les utiliser, ça va être trop beau. Cette vidéo, c'est un fail. Vraiment, n'oubliez pas que normalement, il devait pas y avoir de vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas qu'elle soit aussi peu... Vous avez compris. Bon, du coup, je voulais acheter des petits trucs. J'ai acheté des petits trucs, mais des petits trucs qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas utiles. Je suis nulle. Attendez, déjà, j'ai envie de vous montrer un truc. Si vous avez jamais goûté, vous devez absolument goûter cette chose. Des pépéros. C'est des espèces de Mikado incroyables. Je vais en manger tout de suite. Rien à faire. Vous savez quelle heure il est? 20h45. Cette vidéo, c'est catastrophique. Je suis allée chez Lush. Il faut savoir un truc, c'est que j'achète jamais rien. Genre là par exemple pour l'appartement j'ai acheté plein de choses etc. Mais je me rends compte que je suis grave pas j'achète pas un milliard de trucs. Des produits de beauté et tout j'en ai déjà. Là c'est exceptionnel. J'ai vu un TikTok, oui oui, qui m'a trop donné envie d'acheter un produit. Une fille qui dit genre, vous voyez l'odeur du propre? Bah voilà, elle disait que c'est ça. Ça s'appelle Super Milk et en fait c'est un produit à mettre genre après s'être lavé les cheveux. Enfin genre avant de se sécher les cheveux quoi. Et en fait j'ai senti l'odeur, en fait j'y allais juste chez Lush pour sentir l'odeur parce que j'ai envie de savoir et c'était à côté, je me dis let's go. J'ai vu le TikTok genre ce matin. Et ça sent incroyablement bon. Et donc du coup je l'ai acheté. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est pas fini hein, parce que du coup je suis faible à ce point. Je me suis acheté, alors là j'ai craqué. Les gels douche en vrai ça s'utilise tellement vite que j'achète jamais des trucs vraiment cool on va dire. Mais j'ai acheté ce gel douche, je sais pas si vous avez déjà senti. C'est de la gamme Sleepy. Ça sent la lavande, mais la lavande une odeur genre incroyable. Je suis pas particulièrement fan de lavande, même si j'aime bien. Mais c'est un mix incroyable, du coup j'ai pris une grosse bouteille de gel douche. Trop hâte de tester ce soir. En plus demain je vous ai pas dit mais c'est le shooting pour les fameux trucs pour les 400K. Donc ce soir il faut que je me fasse des gommages et tout. Pour que je sois prête pour demain. Je suis allée chez Rituals, mais j'ai craqué de ouf. En fait, à la base, quand j'ai emménagé, j'ai acheté, vous savez, les petits diffuseurs, là. Et je l'avais acheté en petit. Et c'était incroyable. C'est l'odeur Precious Amber. Dès que les gens venaient chez moi, ils me disaient que ça sentait trop bon et tout, j'étais trop contente. Et comme je l'avais mis là et que la pièce est assez grande, enfin bref, ça va assez vite. Du coup, je me suis dit, bon, je le tente, vu que je suis jamais dans les magasins. Et genre, bah, c'était l'occasion, quoi. C'est énorme! Je pense que je vais mettre ça dans mon entrée. Comme ça, ça, c'est au milieu de l'appartement, ça se diffuse un peu partout. Et comme ça, les gens, quand ils rentrent, ils se disent waouh! Regardez, je l'avais laissé un peu en déco. Mais du coup, je vais le remplacer par un truc énorme. Ça va sentir trop bon. Ah, je suis trop contente! J'ai acheté donc 6 verres. Ils sont quand même à 10€ l'unité. Donc j'en ai eu pour 60€. En fait, le seul truc dans lequel ça m'explose de dire ça, j'ai envie genre de dépenser de l'argent plus que le reste au niveau de la vaisselle. Je trouve que les verres, c'est important parce que ça me donne envie de boire. C'est un peu con, mais c'est vrai. Même pour mes petits matcha et tout, je sais que je vais gravement servir. Donc je suis trop trop contente, ils sont trop beaux. Attendez, je vous donne la marque si vous voulez. Il va marquer la marque. Ah non? Bah désolé. Vous savez ce que je vais manger ce soir? Je vais manger du fromage. Je sais c'est très étonnant venant de moi, mais j'ai rien d'autre à manger chez moi. Il est hors de question que je commande du Uber Eats avec tout ce que je viens d'acheter. Ah, il faut que je débarrasse la vaisselle. Bon, je vais manger du fromage, vous avez pas besoin de tout voir non plus. On peut se retrouver après. Ok, il faut que je prépare mes tenues pour demain. Enfin, ma tenue. J'ai une tenue pour le shoot. Elle est là. Enfin, faut que je prépare mes affaires en fait. J'ai réussi à faire ma phrase, je suis fatiguée. Il est tellement tard. Il me faut une autre tenue pour un autre truc. Ça va être très difficile. Il me faut ma trousse de make-up, ma trousse de soins. On va se faire une petite trousse de make-up de secours, même si un maquilleur, on sait jamais. Il est minuit, hein, je tiens à le dire. C'est demain matin que je dois y aller et voilà. Voilà à quoi je ressemble. Ok, je vais aller à la douche.
pour la douche, préparation, je vais faire démaquillage, huile de nuire bruyant, nettoyant visage Benefit. Ensuite, pour le corps, je vais terminer le gommage L'Occitane. Il est ouvert carrément, je l'utilise tellement que limite je le referme même plus. Je vais me laver avec mon nouveau gel douche. Du coup, j'ai trop hâte. Un petit peeling en sortant de la douche, comme ça, je vais mettre un masque de nuit. Comme ça, je peux aller vite dormir et je me laverai les cheveux demain matin. Et j'utiliserai mon nouveau produit aussi pour les cheveux, qui sont trop bons. D'ailleurs, je vais mettre de l'huile. Comme ça, demain, j'aurai des beaux cheveux toute la nuit. Ok, je vous explique la situation, je suis sortie de la douche, j'ai pété les plombs, j'ai rangé le dressing parce que... Mais j'ai l'impression que quand je suis pressée, j'ai l'air désagréable, j'espère que ça se ressent pas dans la vidéo, de toute façon cette vidéo... N'y pensons pas. Donc, j'ai rangé un peu le dressing, enfin j'ai au moins enlevé le bazar qu'il y avait au milieu, parce que franchement, genre demain je vais me réveiller, demain, dans 5h, ça va être la catastrophe. Donc j'ai préféré ranger, par contre je viens de me rappeler d'un truc de ouf, je me suis pas épilée les sourcils. En fait je vais juste aller me coucher parce que j'ai des giga cernes, je vais chercher une pince à épiler. Ah, ça me fait trop mal. Ah! Après ça, je vais me crémer de la tête aux pieds. Oh putain. Comment ça me fait mal? J'aurais pas le temps de me faire genre des masques et tout, mais c'est pas grave, je ferai demain matin. Sur la route, je me mettrai des masques. Et je vais juste me faire une tisane avant de dormir, parce que j'ai 150 ans. Oh, je vous jure, c'est une dinguerie. J'ai jamais eu autant mal. Cette vidéo, ça devait être... Je refais mon appartement, j'ai acheté 6 verres. Je vais mettre un fail dans le titre. Je vous montre ma night routine. Peau hyper hydratée pour demain matin. De la lotion, une tonne de lotion hydratante. J'ai l'impression que j'oublie des trucs que j'aime pas prévoir au dernier moment. Vous savez qu'en plus j'ai pas fait ma miniature pour demain, je vais être obligée de prendre mon ordi et tout sur le shoot pour la faire. Petit sérum anti-pollution. Contour des yeux, Kenzo. Si vous avez jamais testé le skincare Kenzo, vous loupez un truc de malade. Je suis en train de tomber amoureuse de leurs produits. Crème, ça c'est pas obligatoire, mais là on veut de la giga hydratation, donc une tonne de crème. Et là, de l'huile Skin Therapy. Vous savez que depuis que je la connais, ça fait 1 an et demi je pense, parce qu'avant même qu'elle soit sortie, je la testais en... Vous savez, avant que le packaging soit fait, etc. Et depuis, je ne passe pas une nuit sans la mettre. Genre, j'aime bien changer de crème de nuit, etc. Mais je mets toujours l'huile par-dessus, c'est un truc de ouf. Et là, je vais mettre la meilleure crème du monde entier. C'est une crème que je connais depuis très 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 longtemps. En fait, c'est une vidéo que je devrais appeler Comment sentir bon. C'est une crème de chez Kenzo. Elle s'appelle Crème Sensuelle. En fait, c'est un truc que je connais depuis genre des années. Que il y avait toujours dans la salle de bain de ma mère. J'ai une révélation. Je me suis souvenue qu'elle existait et je l'ai reçue et j'étais choquée. Je vais me tartiner. Même si vous l'achetez pas, allez la sentir, je vous jure. C'est trop un truc de malade. Je vous jure, il se passe un truc dans cette crème. Elle est ensorcelée. On va aller se faire une tisane. Je bois pour dégonfler des 14 kilos de fromage que je viens de manger. Demain, je vais être bouffie. Comme jamais j'ai été bouffie. Bon, il est 1h. Je suis trop fatiguée, vous savez qu'en ce moment, genre je n'arrive pas à me réveiller. Pourtant je me couche tôt. Ça vaut quand même le coup de se faire un petit peu de gua sha et de regarder la télé 5 minutes. Pas plus, promis. Il y a Jérémy qui est parti dormir. Je peux plus parler. Il est temps pour moi d'aller dormir, enfin. Je vous retrouve mercredi prochain.